notre table ronde est un petit peu moins festive que tout à l'heure. Merci beaucoup d'être resté et d'être resté aussi nombreux. Nous allons essayer pendant une petite heure de comprendre qui était Dracula et surtout si ce personnage a réellement existé en Roumanie, si ce mythe existe au-delà de l'histoire que nous connaissons du livre. Et avec nous pour en parler cet après-midi, Matei Kazaku, bonjour. Bonjour. Matei Kazaku est docteur en histoire et civilisation du monde byzantin et pré-byzantin, chercheur au CNRS, l'auteur d'une douzaine d'ouvrages, dont au moins deux que vous connaissez déjà, un très remarqué Gilles de Rais aux éditions Talambier et un Frankenstein sorti il y a seulement 2 ans. Et puis surtout, l'auteur de cette bio passionnante et formidablement bien documentée, qui s'appelle tout simplement Dracula. Elle est sortie toute récemment, elle est évidemment en français, et c'est à ma connaissance aujourd'hui la biographie la plus complète et la plus documentée sur le personnage. Il nous en dira plus tout à l'heure. Avec nous également Lucien Boya, essayiste prolifique, écrivain indifféremment en français ou en roumain. Lucien Boya est également professeur à l'université de Bucarest, historien évidemment, auteur de nombreux ouvrages consacrés notamment à l'histoire des idées et de l'imaginaire. Bonjour. Et avec nous également Raymond Clarinard, rédacteur en chef adjoint au Courrier international, spécialiste de l'Ukraine et de la Roumanie, auteur lui-même de livres fantastiques. Il co-animera cette table ronde avec moi parce que je crois que le mythe de Dracula lui parle beaucoup et peut-être même un peu plus qu'à moi qui suis roumaine. Bonjour. On va voir effectivement si ça me parle plus qu'à vous. Vous avez, d'une certaine façon, vous avez une roumanité que je ne peux qu'espérer approcher. Et la première question, ça va être pour vous, Monsieur Kazaku. On va essayer de replacer, parce que tout le monde connaît ici, et puis peut-être que Dracula et Ceausescu sont finalement les personnages les plus connus encore aujourd'hui, et je dirais presque malheureusement, de la Roumanie. Et j'avais envie de vous demander si ce personnage de Dracula existe réellement en Roumanie, s'il y a une réelle racine en Roumanie. Oui, c'est un personnage historique, un prince du 15e siècle, qui a été dans son époque très célèbre, non seulement en Roumanie actuelle, mais dans toute l'Europe, puisque ses actes de cruauté, l'histoire de ses crimes a constitué l'objet d'un des premiers livres imprimés avec portrait depuis 1463 et qui a circulé, a été imprimé donc depuis Strasbourg jusqu'à Leipzig et de Hambourg jusqu'dans le sud de l'Allemagne et également en Russie et dans les Balkans. Et donc un personnage qui, dans la seconde moitié du 15e siècle, était peut-être un des plus célèbres du monde entier, je dirais. Donc, mais il a été complètement oublié par les Roumains. Il avait été prince, il avait régné à 3 reprises, mais il avait laissé des souvenirs exécrables, et donc la justice lui a été faite dans le sens que dans les chroniques, dans la mémoire collective, il avait complètement disparu. Et c'est seulement au 19e siècle qu'il a été redécouvert. Parce qu'il y a, je dirais, jusque dans les années 90, et je m'adresse à vous, Monsieur Boya, vous le remarquiez avant la table ronde, à juste titre, qu'avant les années 90, en Roumanie, on connaissait le personnage historique, celui de Vlad l'Empaleur, mais pas du tout celui de Dracula. Bon, écoutez, il y a deux personnages. Il y a bien sûr des rapports entre les deux personnages qui restent quand même bien distincts. D'une part, c'est le personnage historique, c'est Vlad l'Empaleur, qui a été le prince de Valachie au 15e siècle, qui a été, comme disait mon collègue, redécouvert par les historiens roumains au 19e, et est devenu le symbole d'un pouvoir fort. Donc c'était un prince justicier et en même temps de la lutte de l'indépendance, consolidation de l'État, de la Valachie, lutte d'indépendance contre les Turcs, etc. Donc celui-ci est le personnage historique qui est lui aussi multiplié dans le sens de l'histoire nationale, de l'histoire patriotique, etc. Et d'autre part, c'est le personnage
imaginaire qui est Dracula, qui est le vampire, qui n'est pas, j'ose le dire, même au risque de se voir, il n'est pas un personnage roumain, il est un personnage irlandais. Il est créé par Bram Stoker, l'écrivain irlandais, dans son roman de 1897, je pense. Bram Stoker a pris quelques éléments du personnage réel de Vlad Tepes, de Vlad l'Empaleur, les traits de son visage, par exemple, c'est le fameux portrait de Vlad l'Empaleur qui se trouve au château Ambras, près d'Innsbruck, c'est très intéressant, le propriétaire de ce château avait aménagé une galerie de monstres. Donc Vlad l'Empaleur figure dans cette galerie de monstres, à côté de la femme à barbe, de l'homme-loup, etc. Donc Bram Stoker a pris quelques éléments du personnage réel, mais pour le reste, Vlad l'Empaleur, ce personnage, ce prince de Valachie, n'était pas un vampire, c'est évident. Bon, ce qui rapproche le prince du vampire, c'est peut-être le symbole du sang, parce que c'était un personnage sanguinaire. Mais enfin, il versait beaucoup de sang, mais il ne buvait pas de sang. Hein, c'est le cas de l'autre personnage qui est le vampire créé par Bram Stoker. Oui, je préciserai même, j'ajouterai même que on peut le considérer un chasseur de vampires, le Dracula du XVe siècle, parce que lui, en empalant les gens, il pratiquait en fait l'opération qui doit être réalisée sur un vampire pour l'empêcher de nuire. On lui enfonce un pieu dans le corps et ensuite on le coupe en morceaux, on le met en grillade, et comme cela s'est passé encore dans l'an 2000 et quelques, dans un village du sud de la Roumanie, toute la famille le mange. Le cœur, attention, ça donne le cœur. Donc, on peut dire que le Dracula du XVe siècle était plutôt un chasseur de vampires, un vampire lui-même. Mais il vivait dans un pays qui, encore aujourd'hui, dans des zones très archaïques, cultive les croyances dans le vampirisme. Et là, même Ceausescu, qui connaissait très bien ces histoires, puisqu'il était lui-même fils de paysan et issu d'une région très pauvre et assez archaïque, évidemment, pour lui, c'était anathème. Il ne pouvait pas supporter l'idée qu'on en parle de telles pratiques. Lui qui voulait réaliser une Roumanie progressiste, révolutionnaire, etc. Donc il considérait ça comme un héritage, triste héritage du passé bourgeois, latifondière, boyard, exploiteur, et enfin, tout ce que vous voulez de plus. Si vous me le permettez, je pense que on parle depuis tout à l'heure de deux personnages, d'un côté Vlad l'Empaleur, Vlad Tepes, et de l'autre Dracula, le personnage mythique effectivement mis en scène par Bram Stoker. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, pour petits Français, il ne serait pas inutile simplement de rappeler qui était Vlad Tepes, c'est-à-dire quel était son rôle politique et contre qui il s'est battu. Pourquoi on lui a fait finalement, ou il s'est acquis une si mauvaise réputation? Oui, je pense que M. Matej Kazak est le grand spécialiste de personnages historiques réels, donc c'est à lui d'expliquer. Il est devenu tout d'abord, commençons par la fin, un membre important du panthéon des gloires roumaines au XIXe siècle. Jusque-là, il était donc vomi, considéré un monstre, un dictateur. Mais quand le jeune État roumain au XIXe siècle a commencé à créer son panthéon d'hommes célèbres, tout comme la France à peu près à la même époque, de la Troisième République, lisait les ouvrages de Christian Amaldi, eh bien, on a constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de personnages intéressants dans le passé. Donc, même si les spécialistes, encore en 1896, le considéraient un monstre et un tyran, il a été donc adopté comme grand héros national, sévère mais juste. Bon, revenons maintenant au personnage historique. C'est un prince qui a régné très peu.
à peine 6 ans et demi dans 3 règnes, à une époque très compliquée entre 1448 et 1476 avec l'interruption. C'est donc l'époque de la conquête de Constantinople par les Turcs ottomans qui créent un énorme empire au sud du Danube. Et les Roumains deviennent les voisins directs de cet empire, ayant derrière eux un autre empire, un autre État puissant, la Hongrie, qui un temps avait été réunie à la couronne impériale allemande. Donc deux blocs complètement hostiles, au nom de foi différentes. L'islam au sud, la croix au nord, est, ouest. Les Roumains au milieu n'étaient ni musulmans, ni étaient chrétiens, mais orthodoxes. Et donc, ils avaient une position, la position la plus inconfortable, pays de frontière, pays limite entre les deux empires, et obligés de s'entendre avec les deux. Et une position de stricte neutralité était impossible à l'époque. Donc, plutôt que de se faire écraser ou occuper complètement par un des deux, les Roumains ont profité de s'entendre avec les deux grandes puissances. C'est toujours la politique des petits pays confrontés aux grands. L'apparition de Vlad, surnommé l'empaleur seulement,